Moi c'est Tristan. Moi c'est Nestor. Là et ensemble on a monté le collectif Belarani. Voilà c'est ça. On a décidé en fait aujourd'hui de faire un spectacle vivant avec ça. Parce que jusqu'à maintenant on fait que des projets vidéo où Nestor a sorti un livre récemment. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment la première pour le spectacle vivant. Alors actuellement on est 6 danseurs, on a des danseurs qui viennent de Belgique, de Paris, de Lyon, on est tous originaires de Besançon à la base et on s'est tous réunis pour faire une création de rue, c'est-à-dire qu'on intègre dans la danse hip-hop de la danse contemporaine, du breakdance, des acros, etc. On a discuté un soir, on était tous les deux, on s'est dit viens on se chauffe, on fait charme dans la rue. Et vu qu'on avait déjà fait plein de projets ensemble, c'était le moment en fait de faire naître ce truc-là. On avait du temps, on a réussi à trouver des disponibilités avec les autres danseurs. Donc voilà quoi. Et puis ça fait vraiment du bien de réussir à choper une proximité avec le public qu'on n'a pas forcément quand on est sur scène, quand on passe par les réseaux sociaux, etc. C'est ça, c'est un premier jet vraiment de spectacle vivant. Faire un street show, donc il fallait reprendre les codes street show avec le micro, chauffer le public, avoir tous ces codes là. Mais avec Nestor on a discuté, en fait on voulait vraiment essayer de changer le côté performance et vraiment intégrer quelque chose de spectacle pour les personnes et pas juste une performance où en fait on doit clapper des mains et voilà chauffer le public. On voulait vraiment amener quelque chose de entre guillemets qualitatif, quelque chose avec une histoire où les gens peuvent s'identifier à des choses aussi bien pour petits que grands. C'est pour ça que voilà, on essaie de se différencier des autres groupes en créant un peu voilà un univers un peu étrange. Quoi.